Allons maintenant à Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Dans ce passage, la grâce est placée en contraste avec le péché et l'obéissance de Christ contre la désobéissance d'Adam. Et cet argumentaire nous conduit à une conclusion qui fait l'objet de plus de méditation. Et c'est quoi cette conclusion? Ça se trouve au verset 19, qui a déjà été cité. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, l'Esprit de Dieu cherche d'abord à nous montrer ce que nous sommes et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Au début de notre vie chrétienne, nous nous soucions de ce que nous faisons, pas de ce que nous sommes. Nous sommes plutôt préoccupés par des choses que nous avons faites et pas par ce que nous sommes. Nous pensons que si seulement nous arrivons à rectifier certaines choses, alors nous serons de bons chrétiens. Et tout ce que nous faisons, c'est de chercher à changer nos actions. Mais le résultat n'est pas ce à quoi nous nous attendons. Nous découvrons à notre grand désarroi que c'est bien plus qu'un cas de trouble de l'extérieur et qu'il y a bien plus de trouble à l'intérieur. Nous essayons de plaire au Seigneur, mais nous découvrons qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui ne veut pas lui plaire. Nous essayons d'être humbles, mais il y a quelque chose dans notre être qui refuse d'être humble. Nous essayons d'être aimants, mais de l'intérieur, nous sentons que nous n'avons pas d'amour. Nous sourions et essayons d'avoir l'air très gracieux, mais de l'intérieur, nous sentons que nous ne sommes pas gracieux. Plus nous essayons de rectifier les choses de l'extérieur, plus nous rendons compte à quel point le problème est établi au plus profond de nous. Ensuite, nous allons vers le Seigneur et nous disons, « Seigneur, je vois maintenant. Non seulement ce que j'ai fait est mauvais, mais aussi quelque chose ne va pas avec moi. » Et nous commençons à prendre à cœur la conclusion de Romains 5, verset 19. Nous sommes des pécheurs. Nous faisons partie de cette race de personnes qui sont constitutionnellement le contraire de ce que Dieu veut qu'ils soient. À cause de la chute, un changement fondamental a eu lieu sur le caractère d'Adam, par lequel il est devenu un pécheur. C'est-à-dire quelqu'un qui est constitutionnellement incapable de plaire à Dieu. Et le trait de caractère familial que nous partageons n'est plus désormais simplement superficiel. Elle s'étend dans notre caractère intérieur également. Nous avons été constitués en pécheurs. Et comment cela s'est-il produit? Par la désobéissance d'un seul, dit Paul. Nous sommes pécheurs, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause d'Adam. Ce n'est pas parce que j'ai individuellement péché que je suis un pécheur, mais c'est parce que j'étais en Adam quand il péchait. Parce que par naissance, je viens d'Adam, et alors je fais partie de lui. Qu'y a-t-il de plus? Je ne peux rien faire pour changer cela. Je ne peux pas juste en améliorant mon comportement, ne plus faire partie d'Adam. Je suis un pécheur. Voyez-vous l'unicité de la vie humaine? Nos vies proviennent d'Adam. Si votre arrière-grand-père était décédé à l'âge de 3 ans, où seriez-vous? Vous seriez mort en lui. Votre expérience est attachée au sien. Et de la même manière, l'expérience de chacun d'entre nous est attachée à celui d'Adam. Personne ne dira « je n'étais pas en Éden », car potentiellement nous y étions tous quand Adam se soumettait au serpent. Et donc nous étions tous impliqués dans le péché d'Adam. Étant nés d'Adam, nous avons reçu de lui tout ce qu'il est devenu à cause de son péché. C'est pour dire qu'avec la nature d'Adam, qui est la nature d'un pécheur, nous tirons notre existence de lui. Et parce que sa vie est devenue une vie de péché, une nature pécheresse, alors la nature que nous tirons de lui est aussi pécheresse. Et comme nous l'avons dit, le problème est héréditaire et non comportemental. À moins que nous ne soyons capables de changer nos origines, ce qui n'est pas une délivrance pour nous. Mais c'est dans ce sens même que nous devons trouver la solution à notre problème. Et c'est exactement de cette manière que Dieu a géré la situation. Dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21, on ne nous dit pas seulement quelque chose au sujet d'Adam, on nous dit également quelque chose au sujet de notre Seigneur Jésus. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. En Adam, nous recevons tout ce qui est d'Adam. En Christ, nous recevons tout ce qui est de Christ. Alors, on nous présente une nouvelle possibilité. En Adam, nous étions perdus. Par la désobéissance d'un seul homme, nous avons été tous rendus pécheurs. Par lui, le péché est entré et la mort à travers le péché. Et à travers cette race, le péché a régné jusqu'à la mort, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, nous avons un autre mode de vie. Par l'obéissance d'un autre, nous avons été rendus justes.
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre désespoir est en Adam. Notre espoir est en Christ. Dieu s'attend à ce que nous prenions cela en considération et que cela conduise à notre délivrance pratique du péché. Paul rend les choses très claires lorsqu'il commence le chapitre 6 de sa lettre par la question « Demeurerions-nous dans le péché ?» Il a dit « Loin de là ». Comment un Dieu saint pouvait-il être satisfait d'avoir des enfants dominés par le péché? Et donc, comment pourrons-nous continuer de vivre dans le péché? Dieu a donc fait de la provision adéquate pour que nous soyons libérés de la domination du péché. Mais voici notre problème. Nous sommes nés pécheurs. Comment donc pouvons-nous nous séparer de notre péché héréditaire? Vu que nous sommes nés en Adam, comment pouvons-nous sortir d'Adam? Laissez-moi le dire une fois. Le sang ne peut pas nous faire sortir d'Adam. Il n'y a qu'un seul moyen. Vu que nous y sommes entrés par la naissance, nous devons en sortir par la mort. Pour nous séparer de notre vie de péché, nous devons abandonner nos vies. L'esclavage au péché est venu par la naissance. La délivrance du péché arrive par la mort. Et c'est le seul échappatoire que Dieu a prévu. La mort est le secret de l'émancipation. Nous sommes morts au péché. Mais comment pouvons-nous mourir? Certains se sont vraiment battus pour se débarrasser de cette vie de péché. Mais nous la trouvons encore plus tenace. C'est quoi l'issue? Ce n'est pas en cherchant de nous donner la mort, mais c'est de reconnaître que Dieu nous a aidés en Christ. Ceci se résume dans la prochaine déclaration de l'apôtre. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais si Dieu nous a restaurés en Jésus-Christ, nous devons rester en lui pour devenir efficaces. Et maintenant, cela semble être un grand problème. Comment sommes-nous censés entrer en Christ? Une fois de plus, Dieu vient à notre secours. En effet, nous n'avons aucun moyen d'y entrer. Le plus important, c'est que nous n'avons pas besoin d'essayer d'y entrer parce que nous y sommes. Ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes, Dieu l'a fait pour nous. Il nous a placés en Christ. Laissez-moi vous rappeler 1 Corinthiens 1, verset 30. Je pense que c'est l'un des meilleurs versets de tout le Nouveau Testament. Vous êtes en Christ. Comment? Par lui, c'est-à-dire par Dieu. Vous êtes en Christ. Loué soit Dieu. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir comment y entrer et comment procéder. Nous n'avons pas besoin de faire des plans pour y entrer. Dieu a déjà fait des plans. Et il a non seulement fait des plans, mais il a également réalisé ses plans. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Et donc, nous n'avons pas besoin de chercher à être en lui. C'est un acte divin. Et ça a été accompli. Quand le Seigneur Jésus était à la croix, nous sommes tous morts. Pas individuellement parce que nous n'étions pas encore nés. Mais étant en lui, nous sommes morts en lui. Un seul est mort pour tous. Et donc, tous sont morts. Quand il était crucifié, nous tous étions crucifiés. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu lui-même nous a placés en Christ. Et dans ses rapports avec Christ, Dieu a restauré la race tout entière. Notre destinée est attachée à la sienne. Ce qu'il a traversé, nous l'avons aussi traversé. Car être en Christ veut dire avoir été identifié avec lui par sa mort tout comme sa résurrection. Il a été crucifié. Et qu'en est-il de nous? Devons-nous demander à Dieu de nous crucifier? Jamais. Quand Christ était crucifié, nous étions crucifiés. Et sa crucifixion est dans le passé, donc la nôtre ne peut pas être dans le futur. Je vous mets au défi de retrouver un texte dans le Nouveau Testament qui nous dit que notre crucifixion est dans le futur. Et comme personne ne peut commettre le suicide par crucifixion, parce que c'était physiquement impossible de le faire. Aussi, en termes spirituels, Dieu ne nous demande pas de nous crucifier nous-mêmes. Nous étions crucifiés quand il était crucifié, car Dieu nous avait mis au-dedans de lui. Notre mort en Christ n'est pas qu'une position doctrinale. C'est un fait éternel. Le Seigneur Jésus, quand il est mort à la croix, il a versé son sang. Il a ainsi donné sa vie sans péché pour expier notre péché et pour nous permettre d'avoir la justice et la sainteté de Dieu. C'était la prérogative du Fils de Dieu lui seul de le faire. Aucun homme ne pouvait y participer. Les Écritures n'ont jamais dit que nous avons versé notre sang avec Christ. Dans son œuvre d'expiation devant Dieu, il a agi seul. Personne d'autre ne pouvait y participer. Mais le Seigneur n'est pas mort seulement pour verser son sang. Il est mort afin que nous puissions mourir. Il est mort comme notre représentant.
Dans sa mort, il nous a inclus, vous et moi. Nous utilisons souvent le terme « substitution » dans notre identification pour décrire ces deux aspects de la mort de Christ. Alors la plupart du temps, l'usage du mot « identification » est bien. Mais « identification » veut dire que la chose commence de notre côté. Ça veut dire que j'essaye de m'identifier avec le Seigneur. Je suis d'accord que ce mot est vrai, mais nous devons l'utiliser plus tard. C'est mieux de commencer avec le fait que le Seigneur Dieu m'est inclus dans sa mort. C'est la mort inclusive du Seigneur qui me met en position de m'identifier. Ce n'est pas que je dois m'identifier pour être inclus. C'est le fait que Dieu m'est inclus en Christ qui compte. C'est quelque chose que Dieu a fait. Pour cette raison, ces deux mots du Nouveau Testament, « en Christ », sont toujours très chers à mon cœur. La mort du Seigneur Jésus est inclusive. La résurrection du Seigneur Jésus est aussi inclusive. Nous avons vu le premier chapitre du livre de 1 Corinthiens pour établir le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, allons à la dernière partie de cette même lettre pour voir quelque chose qui explique cela encore mieux. Dans 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47, deux noms ou titres remarquables sont utilisés pour le Seigneur Jésus. On se réfère à lui ici comme le dernier Adam. Et on se réfère également à lui comme le second homme. Les Écritures ne se réfèrent pas à lui comme le deuxième Adam, mais comme le dernier Adam. Pourquoi les Écritures ne se réfèrent-elles pas à lui comme le dernier homme, mais plutôt comme le second homme? La distinction doit être remarquée, car elle contient une vérité qui est d'une grande valeur. En tant que dernier Adam, Christ est la somme totale de l'humanité. En tant que second homme, il est le chef d'une nouvelle race. Alors ici, nous avons deux unions, une qui se rapporte à sa mort et l'autre à sa résurrection. En premier lieu, son union avec la race en tant que dernier Adam a commencé historiquement à Bethléem et s'est terminée à la croix et à la tombe. À la croix, il a rassemblé pour lui-même tout ce qui était en Adam et il l'a placé sous jugement et l'a mis à mort. En deuxième lieu, notre union avec lui en tant que second homme a commencé à la résurrection et s'achève à l'éternité. Ce qui veut dire, cela ne va jamais s'arrêter. Car par sa mort, il s'est débarrassé du premier homme en qui le plan de Dieu avait été bafoué. Il est ressuscité comme le chef d'une nouvelle race d'hommes et en qui ce plan de Dieu sera pleinement accompli. Quand le Seigneur Jésus était crucifié à la croix, il était crucifié comme le dernier Adam. Tout ce qui se trouvait dans le premier Adam avait été rassemblé et détruit en lui. Nous y étions inclus. En tant que dernier Adam, il a effacé l'ancienne race. En tant que second homme, il apporte une nouvelle race. C'est par sa résurrection qu'il se tient comme le deuxième homme. Et là aussi, nous sommes inclus. Parce que si nous avons été unis en lui par sa mort, nous le serons également par sa résurrection. Nous sommes morts en lui en tant que dernier Adam. Nous vivons en lui en tant que deuxième homme. Ainsi, la croix est la puissance de Dieu qui nous transfère d'Adam à Christ. Mais dire que tout ce que nous avons à faire, c'est de venir à Christ librement par la grâce, bien que suffisamment vrai, peut sembler non pratique. Comment cela devient-il réel dans notre expérience? Notre crucifixion ne sera jamais rendue effective par la volonté ni par les efforts. Mais ce n'est qu'en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Nos yeux doivent s'ouvrir pour que nous voyions l'œuvre accomplie du calvaire. Certains d'entre vous, avant votre salut, vous avez certainement essayé de vous sauver vous-même. Vous avez lu la Bible, vous avez prié, vous êtes allé à l'église, vous avez donné l'offrande. Et un jour, vos yeux se sont ouverts. Et vous vous êtes rendu compte que le salut total vous avait déjà été donné à la croix. Vous l'avez tout simplement accepté, vous avez dit merci à Dieu. Et votre cœur a été rempli de paix et de joie. Maintenant, le salut et la sanctification sont exactement sur la même base. Vous recevez le pardon du péché de la même manière que vous recevez la délivrance du péché. Car le moyen par lequel Dieu apporte la délivrance est différent de celui de l'homme. Le moyen de l'homme consiste à essayer d'opprimer le péché en cherchant à le dominer. Et le moyen de Dieu, c'est d'enlever le pécheur. Plusieurs chrétiens se lamentent sur leur faiblesse, pensant que si seulement ils étaient un peu plus forts, tout irait bien. La raison est que nous avons du mal à mener une vie de sainteté parce que nous n'en sommes pas capables. Et les gens concluent que quelque chose de plus sérieux nous est demandé. Si nous sommes préoccupés par la puissance du péché et notre incapacité à le surmonter, alors naturellement nous allons conclure que pour avoir la victoire sur le péché, il nous faut une plus grande puissance. Et nous disons si seulement nous étions plus forts,
Je pourrais vaincre mon problème de tempérament violent. Et donc nous supplions Dieu pour qu'il nous rende plus forts, afin que nous puissions exercer plus la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le moyen par lequel Dieu nous délivre du péché, ce n'est pas en nous rendant de plus en plus forts. Mais c'est en nous rendant de plus en plus faibles. Vous trouvez cela plutôt comme un moyen particulier pour atteindre la victoire. Mais c'est le moyen divin. Dieu nous délivre de la domination du péché, pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant. Non pas en l'aidant à faire quelque chose, mais en le retirant de la scène de l'action. Pendant des années, vous avez peut-être essayé désespérément d'exercer la maîtrise de soi. Ou peut-être que vous y êtes toujours en ce moment. Mais une fois que vous connaîtrez la vérité, vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Et qu'en vous mettant à pas et vous séparant totalement, Dieu a tout accompli. Une telle révélation met fin à l'effort humain. La vie chrétienne doit commencer avec une connaissance définie, qui ne consiste pas seulement à connaître quelque chose au sujet de la vérité, mais comprendre une doctrine importante. Ce n'est pas du tout une connaissance intellectuelle. Mais c'est l'ouverture des yeux du cœur pour que nous voyions ce que nous avons en Christ. Comment savez-vous que vos péchés sont pardonnés? Est-ce parce que votre pasteur vous l'a dit? Non, vous le savez tout simplement. Si je vous demande comment vous le savez, vous répondrez simplement « Je le sais ». Une telle connaissance vient par révélation divine. Elle vient du Seigneur lui-même. Bien sûr que le concept du pardon de péché est dans la Bible, mais pour que la parole écrite de Dieu devienne une parole vivante venant de Dieu vers vous, il va devoir vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tout ce qu'il vous fallait, c'était de connaître Christ de cette façon-là, et c'est toujours le cas. Alors il arrive un temps, au vu de toute nouvelle appréhension de Christ, où vous le savez dans votre propre cœur, vous le voyez. Dans votre esprit, une lumière a brillé dans votre homme intérieur et vous êtes totalement persuadé de ce fait. Ce qui est vrai, c'est que le pardon de vos péchés n'est pas moins vrai que votre délivrance du péché. Une fois que la lumière de Dieu touche votre cœur, vous vous voyez vous-même en Christ. Ce n'est plus parce que quelqu'un vous l'a dit et pas juste parce que Romains 6 le dit. C'est quelque chose qui est bien plus que cela. Vous le savez parce que Dieu vous l'a révélé par son esprit. Vous pouvez ne pas le sentir, vous pouvez ne pas le comprendre, mais vous le savez parce que vous l'avez vu. Une fois que vous êtes vu en Christ, rien ne peut changer votre assurance en ce fait. Si vous demandez à un certain nombre de croyants qui mènent une vie chrétienne normale de vous parler de leur expérience, certains diront de telle manière et d'autres de telle autre manière. Et chacun va essayer d'insister sur sa façon particulière d'être entré. Et malheureusement, certains chrétiens se servent de leurs expériences spéciales et de leurs versets bibliques spéciaux pour combattre d'autres chrétiens. Le fait est que, aussi vrai que les chrétiens puissent entrer dans une vie profonde de différentes manières, nous ne devons pas considérer les expériences qu'il mentionne et les doctrines qu'il souligne comme mutuellement exclusives, mais plutôt complémentaires. Une chose est certaine, c'est que toute expérience de valeur avec l'Esprit de Dieu doit avoir été accomplie par le moyen d'une nouvelle découverte de la signification de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est un test crucial et c'est un test sûr. Et ici, dans notre passage, Paul nous montre que tout dépend de cette découverte. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors notre première étape, c'est de rechercher auprès de Dieu une connaissance qui vient par révélation. Une révélation qui vient nous faire comprendre que cela ne dépend pas de nous-mêmes, mais de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ à la croix.